Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo top 10 astuces Minecraft. Donc on commence tout de suite avec l'astuce numéro 1. Pour cette astuce numéro 1, savez-vous qu'avec des Nether Warts, vous pouvez faire accoupler des poules? Pour cette astuce numéro 2, je vais vous apprendre à créer un trône comme ça, avec seulement 4 escaliers et 2 planches de bois. Pour commencer, vous mettez 2 escaliers face à face, puis deux planches de bois derrière les escaliers, et pour finir, deux escaliers au-dessus des planches de bois. Pour cette astuce numéro 3, savez-vous qu'en renommant un mouton Jeb à l'aide d'un name tag, vous pouvez le faire changer de couleur de laine indéfiniment. Et sachez que si vous le tuez, il vous donnera une laine blanche. Pour cette astuce numéro 4, je vais vous apprendre à créer un canapé là où on peut s'asseoir dedans. Donc pour faire ce canapé, mettez un bateau, ensuite rentrez dedans, puis mettez des planches comme ça. Ensuite, les planches là où le bateau est en dessous, mettez deux escaliers. Ensuite, au-dessus des escaliers, vous mettez deux pistons, comme ceci, et vous les activez. Ensuite, vous pouvez casser les planches, et les pistons aussi. Donc là, vous voyez que le bateau ressort un petit peu, donc ce qu'il faut faire, c'est que vous rentrez dedans, et avec les flèches pour avancer, reculer, vous le faites rentrer comme il faut. Voilà. Mais là, vous pouvez vous apercevoir que derrière, il sort. Donc, vous mettez des planches comme ça. Et ensuite, comme pour les escaliers, vous mettez deux pistons. Et vous les activez avec des torches de redstone. Et là, on ne verra plus le bateau. Pour cette astuce numéro 5, savez-vous qu'un creeper qui est dans des toiles d'araignée met plus longtemps à exploser? Sachez aussi qu'un creeper emprisonné entièrement dans des toiles d'araignée n'explosera pas. Pour cette astuce numéro 6, savez-vous que les montres fonctionnent aussi dans des item frames? Pratique pour faire des horloges dans vos maisons. Pour cette astuce numéro 7, je vais vous apprendre à voir l'idée des items et aussi la hitbox des mobs et des items. Pour voir l'idée des items, vous faites F3H et voilà. Et pour voir la hitbox des mobs et des items, faites F3B. Et pour désactiver ces commandes, rien de plus simple, refaites la commande. Pour cette astuce numéro 8, savez-vous que vous pouvez enlever la teinture des armures en cuir grâce à un chaudron rempli d'eau? Mais faire ça enlèvera de l'eau dans le chaudron. Pour cette astuce numéro 9, je vais vous apprendre à faire une table comme ça, grâce à une vitre, une carpette, un escalier et des panneaux. Donc pour commencer, mettez une vitre n'importe où sur un bloc, puis mettez une carpette au-dessus, ensuite mettez un escalier devant la carpette, et ensuite posez des pancartes à droite et à gauche de l'escalier. Pour cette astuce numéro 10, savez-vous que vous pouvez faire léviter des blocs soumis à la gravité grâce à des lianes? Pour ça, rien de plus simple, faites une tour avec des blocs, mettez-y des lianes, posez un bloc soumis à la gravité et cassez les blocs.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager et à vous abonner. Allez, ciao tout le monde.